long travail. Un très long travail, un cheminement. L'obésité, pour moi, ça a été tout un passé, un passif de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Accepter son poids, accepter l'état psychologique dans lequel on est, puisque souvent c'est associé aussi à des peines, à des souffrances, à des troubles psychologiques. Donc c'est mettre le doigt sur quelque chose, l'accepter, avancer et guérir. Le poids, alors pour ma part, ouais, pour moi le poids ça a été une carapace, une protection. Je me suis blindé, je me suis protégé d'éléments extérieurs, de choses, ouais, de choses qui m'agressaient, qui me... Je n'irai pas me dire jusqu'à me persécuter, mais qui me faisait du mal et qui me mettait en souffrance, en fait. Et puis c'est aussi une manière de prendre sa place. Quand on est enfant ou ado et qu'on laisse pas aux jeunes, on lui laisse pas la chance de prendre sa place par sa personnalité et par son intelligence, son charisme, etc. Ben on la prend d'une autre manière. On prend une place physiquement. Voilà. Et donc en étant imposant, on prend une grande place. S'asseoir à une chaise de terrasse l'été pour boire un café avec ses copains. Prendre l'avion. C'est pas facile. On est tout de suite à l'étroit. On arrive à une terrasse, les fauteuils classiques, on ne peut pas s'asseoir dedans. Donc on va dans le bar chercher une chaise. Donc il y a un peu un sentiment de honte au départ, mais après ça devient une habitude. Mais c'est justement cette habitude qui fait que là, c'est pas bien, c'est là qu'on est vraiment en souffrance, quoi. Parce que ça devient une banalité, en fait. C'est une violence douce qu'on se fait à soi-même. On subit. Donc il y a un moment, faut y aller, quoi. C'est blessant quand on est petit, quand on est ado. Quand on devient jeune adulte, ça s'estompe. Parce que la morale et les mentalités avancent avec l'âge. Les enfants sont très méchants entre eux, les ados sont très méchants entre eux. Alors on est le gros lard, on est le pas beau, enfin bon, on est un petit peu la bête noire quand on est à l'école. Et puis après, plus on grandit, plus il y a de la tolérance qui s'installe. Mais la tolérance, ça s'installe pas chez tout le monde, et c'est pas facile parce que... On voit encore aujourd'hui que voilà, la tolérance dans la vie du quotidien, il n'y en a pas tant que ça. Donc bah, on serre les dents, on accepte, ou bien on essaye de changer. Mais pour moi, les personnes qui disent qu'ils sont bien dans leur peau et que être gros, ça ne les dérange pas, je le crois du plus profond de mon cœur qu'ils le pensent, hein, ça. Mais ils se trompent. Ils se trompent complètement. Ils se mentent à eux-mêmes. Qu'ils aient un jour la joie d'être plus minces et de perdre beaucoup de poids, ils se rendront compte qu'ils se sont menti à eux-mêmes pendant très longtemps. Et ça, c'est dur, d'accepter aussi qu'on se ment à soi-même. Pour des centaines, des dizaines, des milliers de possibilités qui nous sont propres à chacun, déjà, il y a l'alimentation. Quand on s'alimente mal, quand on mange trop gras, trop sucré, quand on mange trop, quand on mange, voilà, quand on grignote, etc. Et puis, comme je disais au début, tout ce qui est souffrance, les peines de l'enfance, souvent, ça, on ne se rend pas compte, mais souvent, les troubles alimentaires remontent à l'enfance. Alors déjà, j'ai jamais employé le mot régime, parce que pour moi, régime, c'est synonyme de restriction. Alors que quand on vient ici, au CHU, une des premières choses qu'on nous explique, c'est qu'il ne faut surtout pas vivre ça comme une restriction. Mais il faut apprendre à changer ses habitudes alimentaires. Et changer ses habitudes alimentaires, c'est comme ça que j'appelle ça le régime, quoi. Mais c'est très important de bien s'alimenter, d'avoir un bon équilibre. Alors, arriver à faire le poids que l'on souhaite. Je sais pas si on y arrive vraiment. Moi, j'ai toujours rêvé de faire 90 kilos. Apparemment, mon poids de forme, c'est pas celui-là. Mon métabolisme, on a jugé autrement. Donc, bah, on est obligé de s'adapter. Sinon, après, on crée des carences. Et puis, c'est pas la perte de poids. Il faut pas que ce soit non plus
une quête de perfection et d'absolu, quoi. Déjà, de perdre beaucoup de poids, c'est déjà bien pour sa santé. On grignote encore un petit peu sur la vie, là. On en prend un petit peu plus, quoi, tous les jours. Donc, il faut être bien encadré pour qu'on accepte le poids qu'on fait quand les médecins nous disent, bah, là, je crois que monsieur un tel, madame un tel, vous êtes arrivé au poids que vous devez faire, quoi. Ça sert à rien d'aller chercher plus loin, quoi. Puis de se mettre en danger, et d'avoir des maladies, des carences, tout ce qu'on veut. Enfin voilà, d'être affaibli, de plus pouvoir rien faire, quoi. La manière de s'alimenter, bah, c'est simple, hein. Quand on mange 3 fois la semaine des kebabs, 3 fois la semaine des pizzas, des frites, qu'on est toujours à manger des matières grasses en très grande quantité, bah oui, on ne peut que grossir. Et si on complète ça par du sucre et autres, on ne peut que grossir. Et si on s'alimente, on respecte ce que son organisme a besoin. Parce que quand on entreprend un changement d'habitude alimentaire et quand on vient ici au CHU, quelque part, on est partant pour se plier à un changement d'habitude alimentaire. Donc de s'adapter et de respecter son corps de ce qu'il nous demande en fait en nutriments et pour fonctionner en fait dans la journée. Et on s'aperçoit que ce qu'on engloutit et ce qu'on peut ingurgiter à longueur d'année, et bah, on est en surplus en permanence, quoi. Alors je suis le mauvais exemple parce que j'ai pas souhaité moi de prise en charge psychologique. J'ai vu 2, 3 fois la psychologue au départ, donc il y a 7 ans. Et puis, je suis adepte de tout ce qui est médecine parallèle, médecine douce, etc. Entre autres, le Reiki. Donc, je fais du Reiki depuis 12 ans maintenant. Donc, ça m'a permis de décharger le côté psychologique que je ne déchargeais pas ici. Mais c'est important dans le sens où, je vais répéter un mot que je redis souvent, c'est d'accepter cette situation. Si on ne l'accepte pas et qu'on ne la regarde pas en face, on n'avancera jamais. Voilà. Donc, il faut mettre le doigt, comme je disais tout à l'heure, sur la faille, sur le nerf qui a fait que ce que l'on est aujourd'hui, pour le comprendre et pouvoir justement à travailler dessus et guérir là-dessus. Et ça, c'est le plus dur. Parce que dans les troubles alimentaires, on n'est jamais guéri. Je viens régulièrement, j'ai jamais voulu subir d'intervention, que ce soit un anneau, une sleeve gastrectomie ou un bypass. C'est une perte de poids 100% naturelle. Une fois tous les 3-4 mois. C'est ça. Ouais, une fois tous les 3-4 mois. Parce que j'en ai besoin. C'est un petit peu, j'ai une échéance. J'ai un rendre compte. C'est le petit bilan. Donc après, au niveau des habitudes alimentaires, ça se passe très bien. Maintenant, c'est réglé comme du papier à musique. Hein, quand je fais mes courses, quand j'achète, la façon dont je mange, la façon dont je cuisine. Gérer les quantités, gérer les plaisirs, parce qu'il en faut. Parce que si on ne se fait pas plaisir et que si de temps en temps on ne se fait pas un excès, on craque et on ne tient pas. Donc, enfin, quand je dis un excès. Quand on sort du cadre, voilà, tiens, j'ai envie de manger une bonne pizza, de boire une bonne bière et de manger, je sais pas, des profiteroles au chocolat. Voilà, somme toute raisonnable pour le commun, pour nous, ça ne l'est pas forcément, mais il faut le faire de temps en temps. Vous arrivez à vous faire des plaisirs? Ah oui, tous les week-ends. La semaine, c'est sport, une alimentation tout à fait normale, correcte, mais très bonne, avec des bons produits. On cuisine autrement, on fait différemment les choses, ouais. Et puis le week-end, si j'ai envie de me faire une bonne pizza ou une raclette, de sortir prendre 3 apéros avec mes amis, je sors prendre 3 apéros avec mes amis, et voilà quoi. C'est la soupape. Pour moi, en tout cas, parce que c'est très personnel, hein, toutes ces démarches, hein, sur l'alimentation, pour ma part, en tout cas, ça fonctionne comme ça. Depuis tant d'années, j'ai presque perdu 100 kilos. Bah parce qu'on est différents physiquement. La société veut qu'il y ait des normes. Quand on est trop grand, qu'on a des trop grands pieds, des trop grandes oreilles, quand on est trop gros, on n'a pas la même couleur de peau, qu'on est roux, etc. On n'est pas accepté de la même manière. Donc après, on adapte son comportement en équilibre pour s'intégrer à un groupe.
Alors, pour ma part, je réfléchis, mais ça m'a pas causé spécialement de problème, non. Non, parce que quand on a justement une différence comme ça, on sait cultiver d'autres facettes de soi. Moi, c'était toujours la bonne humeur, cette bonhomie habituelle, ce sourire, toujours bon vivant, bienveillant, etc., quoi. Ça va de pair. Je pense que le gros problème des gens en surpoids, c'est qu'on s'éloigne de l'activité physique parce que ça devient plus possible. C'est difficile. Pour moi, 241 kilos, je faisais. Faire du vélo, c'est pas possible, à moins de mettre deux pneus à l'arrière. Enfin, voilà. Aller courir, c'est pas possible. Aller à la piscine, avec les petits slips de bain, déjà qu'on a du mal à se regarder tout seul dans sa glace avec un caleçon, c'est pas possible. Donc le sport, c'est très restreint. Qu'est-ce qu'on fait? On va en salle de sport, sué comme un buffle, sur des appareils inadaptés pour nous. C'est ça aussi. Alors, c'est la plage. On va nager quand il fait beau. J'ai la chance d'habiter près de la mer, à Dieppe, où j'allais nager. Par tout temps. Puis on y va. Puis bah après, avec la perte de poids, je me suis découvert d'autres passions. La course à pied, ça c'est ma drogue maintenant. Je cours 3-4 fois la semaine. Et puis là, on retrouve des choses, quoi, de l'agilité, de l'aisance. C'est formidable. Donc oui, le sport, ça va de pair. Mais au début, il ne faut pas faire n'importe quoi. Parce que sinon, on brise son patrimoine. Je vois des gens sur la plage de Dieppe qui courent, qui n'ont pas de basket adapté, qui sont vraiment en surpoids. Eux, à 50 ans, leurs genoux, s'ils continuent comme ça, c'est fini, quoi. C'est pour se retrouver avec une canne et pas pouvoir accompagner ses petits-enfants pour faire une partie de foot ou quoi que ce soit. Ça fait mal après, mais ça, on s'en rend pas compte sur le coup. Donc, puis après, il y a des structures spécialisées. Pour ma part, je suis allé sur les conseils de Madame Follop à l'hôpital de l'AMUS, à côté d'Évreux, où ils nous réapprennent à faire du sport. Pour nous, à notre manière. Voilà, de la gym. Des choses qui peuvent sembler basiques, anodines, où on se dit, oh, voilà, ça va me gonfler, ça. Ben oui, au début, ça gonfle. On n'a pas envie. Puis au final, on y prend goût. Alors, traitement médical, vous pensez chirurgie? Pas spécialement? Non? D'accord. Ben c'est important. C'est important. Il faut qu'il y ait un traitement médical. Bien sûr qu'il faut apporter de l'aide aux gens qui sont en demande. Après, je parlerai pas de santé publique, parce que la santé publique, on entend parfois des grands pontes ou des ministres qui parlent de santé publique pour le tabagisme, l'obésité, ce qu'on veut, etc. Nous, dans notre cas, ça ne nous intéresse pas qu'on nous parle de santé publique, quoi. C'est surtout que on a envie d'être bien dans sa peau. On a envie de pouvoir vivre. Dans tous les sens du terme. Ah, moi, j'ai jamais voulu. J'ai jamais voulu parce que pour moi, un traitement chirurgical, c'est valable que si on a trouvé le pourquoi on est arrivé à ce stade-là d'obésité. C'est un peu une solution de facilité. On ne sait pas trop pourquoi, on se fait couper un bout d'estomac, on maigrit pendant quelques années. Puis d'un jour à un moment, on regrossit. Puis on ne sait pas pourquoi. Puis on a changé, notre corps, il a changé. On devient complètement différent par rapport au regard des autres. Je suis un homme, le regard des femmes est complètement différent. J'ai découvert à 30 ans, bon, j'exagère, j'ai découvert à 27-28 ans ce qu'était de plaire dans le regard d'une femme. Waouh, c'est violent quand même. Donc du coup, faut être prêt aussi à accepter tout ça. Et pour moi, la chirurgie, c'est un peu une solution de facilité. On n'a pas envie de. Alors, je dis pas que c'est la majorité des cas. Il y a des gens qui font ça, qui ont réfléchi, qui savent pourquoi ils font ça, etc. Mais je rencontre beaucoup de gens qui le font par solution de facilité. Et là, c'est pas bien. Parce qu'ils reprendront du poids. J'ai rencontré une dame il n'y a pas très longtemps
qui avait fait cette opération, a perdu 80 kilos et là, elle vient d'en reprendre 20. Voilà. Et là, elle est encore plus triste qu'avant. Même si elle en a quand même 60 de moins. Mais elle en reprend 20. Et continue à grossir. Et je pense qu'elle n'a pas mis le doigt sur le pourquoi elle était arrivée à ce surpoids. Après, il y a des gens aussi qui ont des maladies, problèmes thyroïdiens, etc., qui font qu'ils sont en surpoids. Donc là, oui, l'opération est nécessaire. Voilà, faut régler tous ces problèmes-là. Mais la chirurgie, ouais, j'ai jamais voulu. Et puis on a été conçu comme ça, avec deux yeux, deux mains. Demain, on vous coupe le pouce, ça fonctionne plus pareil, l'estomac, c'est pareil. De l'intervention en elle-même, je n'avais pas peur parce que j'ai été très bien renseignée. Les médecins m'ont bien tout expliqué. Sincèrement, dès l'instant où en fait j'ai pris la décision de faire cette intervention avec les médecins et le chirurgien, j'avais aucune peur. Alors les peurs que j'avais avant de me faire opérer, comme toute opération, de rester sur la table et ne pas me relever, parce que je suis maman de deux enfants, mais j'avais pas vraiment de peur. Peur de ne pas me reconnaître peut-être, ou peur de que ça marche pas, ou peur de continuer à être grosse. Ouais, ça peut être ces peurs-là, mais c'était pas une peur angoissante. Avoir 30% de l'estomac, ça me paraissait inconcevable pour vivre normalement. C'était ça qui me gênait vraiment. Ce qui était le plus désagréable, c'était la sonde nasogastrique. Et c'est ça que j'ai le plus mal En fait, vécu. j'ai pas eu de douleur, j'ai pas eu mal. Contrairement à d'autres personnes, j'ai jamais vomi non plus. Physiquement, bon bah je pouvais marcher, ça allait. Donc les premiers jours, bon bah pas de faim, pas de sensation de faim. On y pense. Bah, j'ai eu la sonde nasogastrique, donc c'est vrai que c'était assez douloureux le premier jour. Enfin douloureux, gênant, surtout gênant, hein, c'est. Je vais juste vous dire une anecdote. Par exemple, j'avais soif et c'est là que je me suis rendu compte que le cerveau, il va plus vite que mes gestes. C'est qu'il a attrapé, j'ai attrapé le verre d'eau et j'ai fait ça et j'ai bu d'un coup et tout est parti à l'extérieur de ma bouche. Parce que, en fin de compte, c'est là que je me suis dit, il va falloir que je réapprenne des gestes. Je ne m'étais pas dit que je devais réapprendre des gestes, boire tout doucement, tout doucement. Pourtant, on m'y avait préparé. Mais les anciens comportements reviennent très vite au galop. Et puis aussi, c'est le froid, d'avoir tout le temps froid. Moi, l'hiver, dans mes chaussures, je ne mettais jamais de chaussettes. J'étais toujours en t-shirt avec une petite veste. Ben là, maintenant, je peux vous dire que j'ai deux chaussettes, j'ai trois pulls sur le dos, quoi, voilà. Et dans les jours qui ont suivi, ça a été terrible, ça, le froid, d'avoir les ongles violets, de claquer des dents. J'avais jamais ressenti le froid. Donc après, ils m'ont expliqué hein, le manque de calories, quoi, voilà. À l'intérieur de mon corps, je sentais aucune différence, à part la satiété qui arrivait très vite quand j'ai repris la nourriture. Bien sûr, on commence d'abord par liquide et puis ensuite purée, mixée, moulinée. C'est tout doucement, on reprend une alimentation, mais ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut le temps de trouver ses repères, etc. Ce qu'on peut manger, ce qu'on peut pas manger, ce qui passe bien, des jours ça passe, des jours ça passe pas, etc. J'ai toujours gardé cette habitude, comme je travaillais avant dans le bâtiment, de manger très vite. Donc j'ai toujours cette habitude de manger très vite. Donc je sature très vite. Et c'est ça, c'est juste ça qui me pose un problème, si vous voulez. Mais j'essaye de contrôler, de le faire, mais c'est pas évident. Moi, j'ai très très peur de vomir. Donc, dès le départ, on nous dit qu'il faut tant de grammes de viande, tant de grammes de légumes, tant de grammes de féculents. Et moi, j'ai gardé ça à mon esprit. Même si on nous dit on cautérise et vous avez des agrafes, moi, j'avais peur de manger. Et puis, petit à petit, bah, ça revient normalement. Tout en sachant que, bon, au début on a des compléments alimentaires, donc c'est déjà quand même plus facile parce que c'est très onctueux à manger. C'était plutôt intestinal,
un petit peu. Mais sinon, aucune douleur. Des petits maux de ventre, des petits problèmes gastriques. Tout dépend ce qu'on a mangé ou ce qu'on n'a pas bien mangé, en fait. Il y a certains aliments qui ne passent plus du tout. Donc le pain, par exemple, faisait une sensation de bourrage. Moi qui mangeais beaucoup de pâtes, je me suis retrouvée à ne plus aimer les pâtes. Par contre, avoir une attirance pour des légumes dont je n'avais pas d'attirance avant. Je suis remise assez vite, oui. Et au fur et à mesure que les kilos disparaissaient, ça allait de mieux en mieux. J'ai été arrêtée 3 semaines dans le cadre de mon travail. Tout de suite après l'opération, dans le premier mois, ça a été beaucoup. Et du coup, je perdais un petit peu... Enfin, je ne me sentais pas très très bien. J'avais des petits malaises, des petits coups de faiblesse. Donc, mon médecin préférait que je reprenne... tranquille. Après, au bout d'un moment, souvent la tête qui tourne, on se lève ou on se baisse un petit peu, la tête qui tourne, etc. De vouloir marcher tout de suite. Alors moi, j'ai été arrêtée 2 mois parce que j'ai un métier difficile. Je suis aide à domicile et du coup, vu les petites quantités que je mangeais, j'ai un métier où c'est vrai, il faut monter des marches, m'occuper de personnes qui ont plus besoin que moi. Donc du coup, ouais, j'ai été arrêtée 2 mois. Et j'avais l'impression d'être toujours en train de regarder ma montre. Parce qu'on vous dit qu'avant de manger, il ne faut pas boire pendant 1 heure avant. Et vice-versa. Et il faut boire, et il faut manger, et il faut boire, et il faut manger. Et j'avais l'impression d'être constamment en train de boire et manger. Et moi qui avais un problème justement de grignotage, donc je me disais, ce n'est pas possible. Je vais pas maigrir, je vais prendre du poids, ça va recommencer. Donc ça a été très dur. Mais vite, ils m'ont rassurée. Il y a une super équipe ici, hein, donc vite, ils m'ont rassurée, ils m'ont bien expliqué comment faire et que ça n'avait aucun incident, qu'au contraire, il fallait, fin de compte, comme un bébé, hein, toutes les 2 heures, hop, manger un petit peu. Bien, parce que j'avais commencé à trouver un équilibre alimentaire grâce à un protocole de lutte contre l'obésité. Et du coup, j'avais une diététicienne qui m'avait appris plein de choses sur la nutrition, les nutriments. Je ne connaissais absolument pas les calories, tout ça. Vraiment, c'était un pays inconnu pour moi. Et ce qui m'a permis de rencontrer des psychiatres, des psychanalystes, et puis de voir que je mangeais beaucoup trop, culturellement, et que du coup, c'était un engrenage, en fait. Plus on mangeait, plus on avait faim, et plus il fallait qu'on mange. Donc, j'ai eu cette chance-là, ce qui m'a permis d'équilibrer mon alimentation. Et l'opération, par elle-même, m'a permis de réduire les doses. Dissocier plaisir et quantité. En fait, elle n'a plus besoin de la quantité pour avoir du plaisir, tout simplement. Maintenant, c'était 50 grammes, et vous voyez, c'était 2 cuillères et 1 cuillère de viande. Alors qu'avant, je mangeais, avant mon repas, je veux dire, avant, quand j'étais obèse, le matin, ça m'arrivait, avant d'aller travailler, de manger une boîte de cassoulet. Et ça ne me dérangeait pas. Le midi, c'est pareil, je mangeais bien. Et le soir, je prenais bien deux fois de l'entrée, deux fois du plat principal, mais je mangeais. Les changements d'alimentation, moi, ce qu'il y avait de bien, c'est que, en fin de compte, on a pu trouver des petits plats salés. Vous savez, ils mettent des compléments alimentaires qui sont sucrés, on croirait des yaourts. Moi, je ne suis pas yaourt. Et donc, un médecin m'a trouvé des petits plats salés. Donc, du coup, c'était sympa parce que la transition, elle a été plus simple. Et moi, j'ai été très, 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 très longtemps à mixer mes aliments. Ce que je vous expliquais, j'ai tellement peur de vomir. J'avais tellement peur de vomir et de reprendre du poids que j'ai tout suivi bien à la lettre, hein, bien carré. Donc du coup, c'est toujours en cours, hein, malgré que ça fait 2 ans, voilà. Moi, j'ai mangé relativement de tout assez rapidement, tout en sachant que de toute manière, après, je pense que l'organisme vous dit qu'il y a des aliments qui passent mieux que d'autres. Et moi, aujourd'hui, c'est vrai que je mange tout, à part la viande rouge, qui me pose quand même un petit problème parce que c'est beaucoup plus fibreux. Mais à part ça, et puis de savoir de toute manière que vous pouvez pas boire quand vous mangez. Donc ça, c'est pareil. Mais c'est une autre façon de vivre. Après, vous vous habituez. Et le petit sablier. Le petit sablier, ce qui fait que on attend. Entre chaque, par exemple, entre l'entrée et le plat de résistance, on attend que le sablier soit fini avant de passer à la suite. C'est-à-dire qu'on apprend à manger plus lentement.
Mais au départ, quand on n'est pas habitué à manger lentement, de toute façon, votre estomac vous le rappelle tout de suite. Hein. Alors lentement, j'ai encore un peu de mal, mais j'essaie. Donc en fait, je me lève, je vais chercher des choses, j'oublie des trucs dans la cuisine pour manger doucement. Ou alors, j'ai l'astuce avec mes enfants aussi, c'est de poser la fourchette une fois que j'ai mis dans la bouche mes aliments, en mettre beaucoup moins dans la fourchette aussi. Et essayer de mâcher et de réfléchir et puis à parler aussi, parce que le moment du repas, c'est le moment où on se retrouve tous ensemble à table, donc c'est le moment où aussi on discute. Donc j'en profite pour papoter avec tout le monde et puis ça fait traîner un peu. Sinon, il y a l'astuce de la petite assiette aussi, l'assiette à dessert à la place de la grande assiette, parce que nous, on avait acheté des assiettes à steak énormes. Et quand je vois les portions que j'ai mis maintenant, c'est vrai qu'on était fous, quoi. On mangeait vraiment trop. Alors là, mâcher 15 fois de la viande dans sa bouche, alors c'est... Je mange quasiment plus de viande parce que ça, c'est horrible. Mais poser sa fourchette... Alors, en fin de compte, moi, ce que je fais, c'est que je mange un petit peu, je pose ma fourchette, je vais dans la cuisine, je fais autre chose. Ou voilà, moi, je m'occupe à autre chose pour que ça traîne. Et je prends mon dessert très, très longtemps après. Quoi, voilà, il y a toujours un quart d'heure de pause. Parce que manger lentement, mine de rien, j'y arrive toujours pas. C'est-à-dire que voilà, c'est la fourchette, elle est toujours là, prête à venir à la bouche. Alors hop, d'un coup, je m'en rappelle, hop, je pose. Ou mon estomac me le rappelle aussi, hein, parce que quand ça va trop vite... Mais du coup, comme c'est des toutes petites quantités, j'ai toujours l'impression de manger très vite. Alors du coup, bah, je mange, on va dire, en fractionné. C'est-à-dire que j'étale, je mets une demi-heure et je me dis, dans ma demi-heure, il faut que j'ai mangé ça, ça, ça. Donc, je prends mon temps de pause. Maintenant, c'est systématiquement, je prends trois quarts d'heure pour déjeuner. Pas mal du tout. J'étais inquiète parce que, étant donné que j'étais vraiment énormément en surpoids, je buvais beaucoup parce que je transpirais beaucoup, j'avais tout le temps soif, donc je me promenais toujours avec une bouteille d'eau, tout le temps. Et ça m'a fait peur, mais finalement, on s'habitue. Alors, ça fait très mal en fait, quand on boit en mangeant, c'est assez douloureux, donc une fois ou deux, quand on oublie de le faire, on ne le fait plus après, hein. Pendant un certain temps, on évite. Donc j'essaye de ne pas boire avant, pour ne pas remplir mon estomac non plus. Et puis, je ne fais plus l'erreur de boire après non plus, parce que vu que l'estomac est plein, ça fait aussi très très mal. Bah, j'aurais tendance à perdre l'habitude de boire. L'été, non, ça va, j'arrive à boire, mais là, l'hiver, non, je bois presque pas. Et pourtant, c'est une petite lacune, parce qu'il faut que je boive beaucoup d'eau. Mais ça, ah bon, on peut se faire plaisir, la preuve. J'ai mangé une raclette hier. Et on peut se faire plaisir tout en ayant des quantités restreintes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut manger de tout, mais en petite quantité. Donc on peut se faire plaisir. Moi, au début, j'avais peur de me faire plaisir, justement. Et puis, ils m'ont aidé aussi à me rassurer en me disant que oui, on pouvait manger un petit morceau de chocolat, oui, que c'était pas terrible si un jour, manger un petit morceau de pizza. Non, je mange de tout, tout ce que j'aime. Je fais attention. J'ai fait attention dans la semaine en général à avoir ma quantité de féculents, ma quantité de protéines, ma quantité de légumes verts, mes produits laitiers. J'essaie vraiment de faire ça sérieusement comme ils m'ont apprécié. Mais quand j'ai envie d'un petit plaisir, eh bien je me le fais, ce petit plaisir. Je le fais, mais il est plus petit. Et il me suffit, en fait. Moi, j'aime beaucoup cuisiner, donc c'est toujours un plaisir d'être dans la cuisine. Et puis, tout ce que je mange, je me fais plaisir aujourd'hui. Il n'y a pas de... Il y a aucune frustration, aucune gêne. J'évite de manger trop gras, parce que ça passe pas, c'est pas génial. Les gens font plus attention à moi, du coup. Et je prends encore plus de plaisir qu'avant. Enfin... Pour les bons plats, tout ça, oui, ça c'est... Qu'avant, si vous voulez, maintenant, avant c'était le quantitatif, maintenant c'est plus le qualitatif, en fin de compte, de prendre quelque chose qui me fait plaisir, qui est bon à déguster. Et je me suis mis à la cuisine, comme ça je me fais des petits plats et tout ça, des trucs que je ne faisais pas du tout avant. Donc c'est le petit carré de chocolat que moi je me suis interdit pendant des années. Et quand je cuisine maintenant, j'ai aucun interdit, je ne me mets pas d'interdit. Et en fin de compte, en ne me mettant pas d'interdit, bah, mine de rien, j'ai vu que...
L'amaigrissement a continué. C'est-à-dire que j'achète de la crème fraîche normale, du beurre, on va dire normal. Et c'est pas pour autant que je vais manger un tas de cochonneries. Je veux que ça soit équilibré. Dans la mesure où c'est en petite quantité, il n'y a pas d'aliment à faire. Un repas de famille, on sait que ça traîne en longueur. Donc le fait de manger l'entrée ou bien un petit biscuit apéritif, entre le plat de résistance et tout ça, tout en réfléchissant que maintenant je connais bien ce que mon estomac est capable de manger, je me dis bon, je mange un petit peu d'entrée, une petite quantité d'entrée, et puis une petite quantité de plat de résistance, un petit peu de chaque, un petit bout de fromage et un petit bout de dessert. Tout en petite quantité, c'est-à-dire que tout le monde a son assiette normale. Moi, la mienne, ça pourrait être une assiette à dessert. Alors, c'est vrai que j'évite maintenant les repas qui durent avec les entrées de table, les plats de résistance, les fromages, les desserts. Quand j'ai du monde, j'en fais, mais moi, je vais prendre des toutes petites portions pour me faire plaisir, pour accompagner. Mais sinon, je mange pas d'entrée ou j'évite, je saute le fromage ou des choses comme ça. Quoi. Ça se voit pas. En fait, les invités s'en rendent pas compte. C'est vrai qu'on mange beaucoup moins, donc on participe au repas et tout ça, mais il faut y aller. Je continue dans ce que je mange maintenant. Je peux pas me permettre de faire des écarts ou tout ça. Parce qu'après, l'estomac, j'ai mal à l'estomac, donc c'est pas bon, je voulais. Mais sans ça, non. En famille, ça se passe bien. Mais ils ont récupéré un truc, c'est que dès que j'en ai marre, je sors de table et je vais faire la vaisselle. Donc ils ont trouvé un bon aide. C'est sûr que moi, ça m'arrange si l'apéro dure longtemps, quoi. Parce que je sais que je vais pouvoir boire un demi-verre de quelque chose et que si le repas était un peu en décalé, j'aurai le temps, du coup. Ça va me refaire de la place pour l'alimentation. Et de regarder sur la table des voisins comment ils sont servis, et puis si on s'aperçoit que les plats de résistance sont énormes, privilégier plutôt une entrée ou une salade, ou avoir quelqu'un en face de soi qui mange bien et qui finira son assiette. Mais non, au restaurant, moi en règle générale, c'est mon mari qui finit mes plats, et j'essaye de prendre des choses qui me font plaisir, des poissons, des choses légères. Profiter du fait que quand on va au restaurant, c'est pour passer un bon moment. Avant, quand j'allais au restaurant, je prenais de tout, si vous voulez. Mais là, maintenant, c'est plus prendre un plat principal, vous voyez, puis voilà, juste un plat et me dire, je vais manger ça, ce qui me plaît. Juste une entrée et un dessert, si on est sucré. Moi, c'est ce que je fais. Maintenant, j'arrive à laisser. Alors maintenant, c'est pareil, il y a beaucoup de restaurants qui sont assez sympas, où on leur demande si on peut mettre un peu moins dans l'assiette. Et moi, ça me fait plaisir, parce que je me dis, voilà, je me fais plaisir et en même temps, je gâche pas quand même. Dessert, je fais un plat et un dessert. Je ne prends pas d'entrée parce que sinon, c'est beaucoup trop. Au restaurant, c'est des portions quand même assez importantes. Donc, systématiquement, je prends un plat. Souvent, je ne vais pas forcément terminer, mais je préfère faire comme ça et manger un dessert pour être pas trop en décalé par rapport à tout le monde. Alors, la faim, je la ressens toujours. Quand j'ai faim, dans mon cas à moi, c'est comme un manque. Comme quelqu'un qui est en manque de drogue. Hein. Donc je deviens agressive. Et je me dis, oui, je vais arriver devant mon bol de soupe et je vois dans l'assiette de mon mari que je lui ai préparé des pâtes carbonara, par exemple. Et il a mis plein de gruyère, il a mis son petit œuf dessus. Et je suis là et moi je dis, si je pouvais, je l'avalerais son assiette, quoi. La sensation de faim, quand elle est là, c'est vrai que j'ai encore des moments d'agressivité. Je prends mon potage, par exemple, ou mon repas, je commence à manger. Et une fois que j'ai commencé à manger et que la sensation de faim se calme, le stress et l'agressivité descend. Et ce qui est dans l'assiette de mon mari ne me fait plus envie. Alors on dit qu'après une intervention, les slivés n'ont pas faim. Alors moi j'ai retrouvé la faim très rapidement, mais je pense que c'est plutôt l'appétit que j'ai retrouvé, le plaisir de manger, d'avoir envie de manger. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'après une slive, on a beaucoup de bruit de tuyauterie, on a le ventre qui grogne, ça fait beaucoup de bruit. On croit que c'est la faim, mais en fait c'est plein d'air, quoi. Mais moi j'ai retrouvé l'appétit et la faim. Ouais. Je sais qu'il faut que je mange toutes les 4 heures. Et j'ai faim. Mais
après, une fois qu'on a bien équilibré nos repas, on n'a pas de problème, quoi. Donc, je fais des goûters. Je déculpabilise aussi de ce côté-là, parce que je sais qu'une petite compote ne va pas me faire de mal à 10 heures. Et j'ai mangé à 6 heures du matin, donc du coup, c'est vrai qu'il faut que je m'alimente un petit peu pour avoir un regain d'énergie. Et puis, je mange tranquillement mon repas du midi après. Alors, on ne ressent pas la faim. Quoi, moi, je ne ressens pas la faim. Donc, c'est dur de manger quand on n'a pas faim. Et en plus, d'autant plus que moi, pendant 30 ans, j'ai mangé alors que j'avais jamais faim. En fin de compte, moi, on a énormément travaillé sur la faim et la satiété, car j'éprouvais ni faim ni satiété, d'où la prise énorme de poids. Et donc, après l'opération, ben, moi, j'avais l'impression de revenir en arrière, c'est-à-dire de toujours manger sans faim. Sauf que là, la satiété, elle est là. Voilà, l'estomac, quand il dit stop, c'est stop. La faim, c'est pas toujours l'estomac qui gargouille, l'estomac qui tord. Moi, par exemple, c'est juste une petite envie de vomir. Ou ça peut être juste un petit tremblement. Le froid, par exemple, ce froid qui arrive, je sais que maintenant, j'ai faim. Mais voilà, donc des fois, j'attends pour toujours me rappeler ça et me dire, voilà, j'écoute mon corps. J'essaye de comprendre aussi ce qu'il me demande et de lui donner ce qu'il faut, mais voilà, ce que je n'ai pas fait pendant 30 ans, en fin de compte, d'écouter mon corps. Les envies de manger, quand on a faim, on les a toujours. Après, non, j'ai pas... Non, je vous dis, j'arrive à manger de... Je peux manger ce que je veux, tout en sachant que je ne le fais pas, parce que ça serait pas non plus raisonnable de le faire tous les jours. Mais j'arrive à assouvir... mes petits plaisirs alimentaires. Alors les changements concernant les envies de manger, ben moi du coup je me retrouve à manger des choses que je ne mangeais pas trop avant, comme des légumes, comme des choses plus fines, beaucoup moins grasses. Et le soir, on cogite beaucoup aussi, et voilà, où bah, c'est calme, et puis on s'embête plus facilement, alors c'est plus facile d'aller au frigo, tout ça. Et c'est vrai que le soir dans le lit, les envies de manger peuvent revenir à ce moment-là, pour moi en tout cas. Après, je dis pas que j'ai jamais craqué. Hein. Après, il faut se motiver, il faut se dire, se rappeler pourquoi on l'a fait. Moi, je m'interdisais énormément de choses, vu que j'ai fait plein de régimes. Donc du coup, bah, moi je mangeais pas forcément du sucré. Par exemple, tout à l'heure je vous parlais du chocolat, j'en ai jamais mangé. Je ne me rappelle pas avoir mangé du chocolat. Maintenant, vous venez chez moi, vous ouvrez mon buffet, il y a 4 ou 5 plaquettes de chocolat. Alors, ce n'est pas pour autant que je les mange. Je m'en autorise 2 carrés par jour. C'est mon plaisir. Et je pense que c'est ça, après l'intervention, ce qui me retient le plus. Voilà, de pouvoir ce plaisir, en fin de compte. Plus d'interdit. Je crois que c'est ça le mot clé pour moi. Bon, il y a des périodes, hein, où on ne va pas très bien, ça c'est clair. Mais moi, personnellement, je ne vais plus manger sur la nourriture. J'ai trouvé un autre moyen. J'ai trouvé un autre moyen. Je vais au sport, je vais marcher, je trouve d'autres moyens. Je vais boire un verre d'eau parce que je sais que tout de suite, ça va me calmer. Un verre et puis vous avez la tête à l'envers. Voilà, donc il faut savoir que l'alcool, c'est pas proscrit du tout, mais faut faire attention. Moi, j'en consomme pour ainsi dire plus. J'aimais beaucoup le champagne, c'est des bulles. Donc systématiquement, l'estomac, c'est un peu plus difficile. Donc je m'interdis pas de boire du champagne. Mais en moins, enfin en toute petite quantité. Aujourd'hui, quand je me regarde dans la glace, je me vois plus obèse, je me vois ronde, et je me vois maigrir, et c'est que du positif. Aujourd'hui, quand je m'habille, quand je vais dans un magasin m'acheter un petit vêtement, parce que bon, je ne suis pas encore stabilisée, donc je perds encore. Donc je ne peux pas non plus m'acheter beaucoup de vêtements, ça ne sert à rien. C'est pour que ce soit trop grand dans 2 mois, ce n'est pas la peine. Je suis fière de me regarder dans la glace.
Alors moi, j'ai le plaisir de dire que la seule qui souffre à la maison, c'est la carte bleue. Parce qu'en fait, je me prends un plaisir fou à m'habiller, à me chausser. J'ai fait une couleur, voilà, je change énormément. J'ai changé de lunettes, j'ai changé énormément de choses. Il n'y a que mon mari que je n'ai pas changé, que je garde. Mais c'est vrai que la carte bleue souffre énormément après une opération, parce que vu qu'on perd du poids, et puis on a un besoin d'apparaître différemment, une affirmation de soi qui est différente. Et du coup, voilà, les bijoux, l'habillement, tout rentre et ça coûte cher. Mais c'est un plaisir. On m'a dit que ça avait, le changement de corps, ça avait beaucoup agi sur mon caractère. Et c'est vrai que ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des choses qui pensent pas. Moi, je ne m'en rendais pas compte. Et en fin de compte, j'ai vu ma perte de poids à travers le regard des autres. Quand je rentre dans un magasin, je vais systématiquement vers les tailles 60. Alors que maintenant, je suis dans les tailles femmes. Là, j'ai subi une abdominoplastie. Donc, ils m'ont retiré mon tablier et là, ça a été encore plus dur. Donc déjà, l'amaigrissement, moi, je ne me voyais pas. Donc, pas se voir, c'est terrible. Donc, il y a une diététicienne et une psychologue qui m'avaient dit « ça serait bien de vous masser, de vous mettre d'être plus féminine. » En fin de compte, je ne me mettais jamais de crème. Je ne me mettais jamais de… Je ne prenais pas soin de mon corps. De toute façon, je ne l'aimais pas. Donc, pourquoi en prendre soin? Parce que je ne l'aimais pas. Donc, j'ai commencé à faire ça, à mettre une crème. Déjà à me mettre nue devant un miroir et à mettre ma crème nue devant mon miroir. J'ai commencé aussi à faire confiance aux autres, à mon mari, à ma fille, parce qu'eux, pendant 30 ans, ils ne m'ont pas vu prendre du poids. C'est ce qu'ils m'expliquaient aussi, parce que pour eux, ça a été terrible le changement. Ils me disent, mais attends, on ne s'est même pas rendu compte de ça. Maintenant, on se rend compte, maintenant que tu as maigri, de ce que tu étais avant. Et donc, du coup, eux, ils me guident aussi. Quand on va dans un magasin, ils ne me disent pas forcément, non, va pas par là, viens plutôt par là, essaye ça. Et du coup, le poids, ouais, c'est, la perte de poids, c'est dur. Psychologiquement, c'est très dur parce que on se voit pas. Même là, après l'abdominoplastie, ça a été terrible. J'ai eu un petit moment de blues. Alors que c'est ce que j'espérais depuis 4 ans. C'est ce que je voulais plus voir cette poche. Et ça a été très, très dur. Alors, je travaille dessus avec des kinés. J'ai demandé à avoir des séances de kinés. Pas me reblesser, parce que la peur de se blesser est toujours là. Et la kiné, elle masse ma cicatrice, elle masse mon ventre, elle me fait travailler les abdos, chose que je ne travaillais pas avant, puisque je ne pouvais pas, vu la charge pondérale qu'il y avait. Et du coup, comme je réapprends à connaître mon corps, à l'étirer et tout, ça commence. Je commence à me voir, je commence à voir des choses, je commence à prendre du plaisir, je commence à vraiment avoir des tas de choses. Un truc qui est flagrant, c'est que mon mari est motard et puis depuis un an, je fais de la moto. Enfin, moi, j'ai eu l'impression que je restais très longtemps grosse. Et je pense qu'un gros restera un ancien gros, même s'il a perdu du poids. Moi, dans ma tête, c'est comme ça. Bon, j'ai perdu près de 40 kilos, donc ça change forcément quelqu'un. Et ça déstabilise un peu les gens qui sont à côté de vous. Moi, entre autres, ça m'a coûté mon mari. Moi, oui, parce que je suis restée obèse 10 ans. Je n'étais pas obèse avant, j'étais forte, mais je n'étais pas obèse. Et donc, oui, je me retrouve. Oui. Là, moi, j'ai un renouveau, j'ai rajeuni. Ça m'a ouvert à pas mal de choses. Que je vous disais, le parapente, la marche nordique, là, je retourne à la piscine et tout. Alors qu'avant, j'étais un petit peu en embonpoint. Vous hésitez parce que vous avez le regard des autres sur vous. Ça fait 4 ans. Mais je commence seulement à m'y reconnaître et je commence à m'aimer. Je commence. Alors que j'ai été opérée en juillet 2010. Donc ça va faire 5 ans. Donc ça demande un certain temps. Tout en sachant que je vais pouvoir, quand je vais avoir stabilisé mon poids, avoir recours à la chirurgie réparatrice. Le plus difficile, c'est au niveau du ventre, parce que la peau était tellement tendue déjà, donc elle était abîmée, craquelée, les vergetures. Et quand on perd comme ça, il reste que la peau. Et la peau tombe, et c'est vrai que c'est pas joli. Alors se regarder nu dans un miroir, non. Et puis quand vous avez un mari qui vous aime... En général, il vous aime comme vous êtes. S'il vous a aimé comme ça, il vous aime aussi comme ça. Et même avec un peu de peau sur le ventre, il vous aime quand même. Et moi, particulièrement, c'est au niveau des cuisses.
Donc, je suis passée par la chirurgie et ça a vraiment été une renaissance, après, pour moi. Parce que c'était un handicap, quand même, d'avoir perdu tout ce poids, d'avoir le corps un peu déformé et de se dire, bah, qu'est-ce que je fais maintenant, quoi. Et le fait d'être passée par la chirurgie, moi, ma vie est un bien fou. Et quand je sors, je fais quand même l'effort d'avoir acheté un petit truc ou deux, un petit vêtement à ma taille. Et je m'habille régulièrement de la même façon. Et j'attends le jour J pour pouvoir changer totalement ma garde-robe. Mais pour l'instant, c'est pas encore pour tout de suite. Bon, ça a été très rapide. La perte de poids fait qu'on doit s'habiller, mais c'est génial. Enfin, de passer du 52 au 42, moi je trouve, c'est un mini miracle. C'est un mini miracle. Et puis avoir la chance de pouvoir rentrer dans des boutiques de gens normaux, de s'habiller normalement comme tout le monde, c'est super, quoi. C'est super. Oui, mais les magasins, j'ose pas encore acheter plus petit. Parce que déjà avant l'opération, j'étais un magasin qui nous habille bien, nous les costauds, et qui est connu parce qu'il est pas cher et il est un peu partout, je pense que les gens savent. Et j'ai vu des vêtements qui me plaisaient et tout, mais j'ai quand même regardé vers le 6XL quand même. Parce que je n'ai pas osé, donc avant l'opération. Là, aujourd'hui, je commence à fouiner dans des vêtements d'avant, parce que j'ai grossi aussi avec le temps. Donc, je peux retourner un petit peu dans les vêtements. Et je ne veux pas acheter tout de suite, parce que, bon, bah, comme je suis encore en transition, c'est pour rejeter derrière. Enfin, voilà. Ça, c'est terrible. Bah, c'est un super business pour les magasins de vêtements. Ils sont contents. Les magasins de vêtements, je pense qu'ils sont, ils devraient être partenariat avec, avec l'intervention. Non, c'est dur, mais ça fait plaisir en même temps. Parce que quand on va dans un magasin, franchement, en obésité, il n'y a que du noir. Les couleurs, c'est noir et marron. Et là, maintenant, j'achète du rouge, du violet, du jaune, quoi, voilà. Au fur et à mesure, je me rendais compte que les couleurs changeaient. C'est tellement rapide qu'au début, à part les leggings, les survêts, c'était pas très féminin. Mais vous avez pas. Vous comprenez pas trop votre changement et c'est pas la première. C'est pas la priorité. De faire du shopping. Au début, c'est pas la priorité. Aujourd'hui, ça devient plus. Quand on a souffert d'être gros, ça devient une obsession, en fait. Le regard des autres, c'est une grande souffrance. Le jugement, les gens nous jugent. Ils pensent que... Enfin, moi, on croit que les autres pensent que si elle est grosse, elle a qu'à moins manger, puis elle sera... Elle sera moins grosse, elle a qu'à faire un régime et puis elle a qu'à faire du sport et puis tout ira très bien. Mais non, parce qu'il y a une souffrance derrière ça. On n'est pas gros parce qu'on a envie de manger comme... Oui, on est gourmand, mais il n'y a pas que ça. Dans la nourriture, on trouve, comme certains dans l'alcool ou dans la drogue, on trouve... Bon, déjà la dépendance, ça devient une dépendance, hein. On trouve du réconfort. Ça ne dure pas longtemps, c'est juste le temps qu'on mange. Une fois qu'on a avalé, le réconfort, il n'est plus là, c'est la culpabilité qui prend le relais. Alors qu'on aurait envie de se cacher dans un trou de souris, on prend la place de 3 personnes. Quand on s'assoit sur un fauteuil en vacances, on ne peut pas s'asseoir parce que... Non, je ne rentre pas, je suis désolée, je ne rentre pas dans la chaise. C'est terrible. Mais il faut essayer de voir ce qu'il y a derrière et pas juger les gens. Parce qu'on a été et du coup on reste. On est toujours des personnes obèses. Le poids reste une préoccupation parce qu'on a tellement peur de reprendre qu'on fait attention, quoi. C'est pour ça que je pense qu'il est intéressant de continuer à consulter ici les médecins spécialistes parce qu'on n'est pas à l'abri d'une rechute. C'est bien moi qui vais gérer cette solution.
Et je me dis, si pendant 30 ans j'ai pris 70 kilos, qu'est-ce qui va faire maintenant que je ne peux pas les reprendre? Donc j'ai toujours ça à l'esprit, et du coup, je contrôle. Je contrôle le poids parce que je pense que c'est ce que je n'avais pas fait. Maintenant que j'ai fait ce parcours, je n'ai pas envie de faire marche arrière. Je n'ai pas envie de recommencer parce que malheureusement, j'ai vu des gens qui avaient une slive et qui ont regrossi. Et pour, là, aujourd'hui, moi, c'est tout le temps dans ma tête de me dire il faut que je maintienne mon poids. Je m'astreins à continuer à être suivie. Garder comme séquelles ces peaux qui tombent, ça doit être aussi super traumatisant. Je vous disais, moi, je n'ai pas encore cette sensation-là, mais je pense que j'y passerai également, je pense, oui. Pour pouvoir me retrouver, me reconnaître et mieux vivre. On a besoin de cette chirurgie parce que, pour voir la transformation de son corps, parce que moi, quand je me regardais, même avec pourtant 50 kilos en moins, je continuais toujours de voir ce tablier, je me voyais toujours obèse. C'est que depuis cette opération de l'abdominoplastie, que j'arrive à ne plus dire que je suis obèse, que j'arrive enfin à dire que je suis normale. Ce geste-là, s'accroupir, c'était impossible parce que ce tablier sur les genoux, je ne pouvais pas me relever. Malgré tout le sport que je faisais, je ne pouvais pas. Là, ce week-end, j'ai jardiné, j'ai pu m'accroupir, donc moins solliciter mon dos, faire plein de choses et j'étais contente de pouvoir m'accroupir. Je me suis dit, mais mince, ça y est, j'arrive à m'accroupir. Ma famille à moi, de mon côté, c'est-à-dire ma sœur, mon beau-frère, mes nièces et mes parents, étaient contre cette intervention. Ils étaient contre parce qu'ils trouvaient que c'était barbare, c'est les mots, hein, barbare et pas normal, pas dans la norme des choses. Notre corps, on n'est pas né comme ça, c'est sûr, on transforme notre corps. Ça a été difficile, mais j'ai combattu ça parce que j'avais mon mari derrière moi qui était pas non plus pour au départ, hein, mais qui savait que c'était, ça pouvait être que du positif pour moi, donc il m'a soutenue. Ils connaissaient tous ma douleur et ma souffrance étant obèse. Mon mari était très ravi, enfin il était ravi que je me fasse opérer. Pour lui, il avait ça en tête sans m'en parler. Mes enfants étaient un petit peu anxieuses par l'opération, ce qui est normal. Hein. Mes parents, beaucoup plus âgés, pensaient que c'était pas nécessaire. Tu es comme tu es, et puis voilà. Et puis après, les autres, beaucoup ont dit t'as qu'à faire du régime, t'as qu'à perdre toute seule, t'y arriveras toute seule. Moi, j'aime bien garder les choses pour moi, même si j'ai aussi le côté besoin de parler. Donc j'ai dit progressivement à mes proches, parce que je voulais pas qu'on. Je savais qu'ils allaient comprendre, parce que bon, ma sœur l'a fait avant moi, elle avait pas autant de moi que moi à perdre. Donc, obligatoirement, il devait se dire à ce moment-là, mais qu'est-ce qu'il attend? C'est ce qu'il a besoin. Après, ils m'ont tous accompagné, ils m'ont tous soutenu. Ça les a surpris quand même, parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Ils ne s'y attendaient pas à ce que je fasse ça et tout. On est là un petit peu reproché, il dit, mais moi, c'est ma santé qui prime. Il dit, vous, ce que vous en pensez, j'en ai rien à faire. C'était moi personnel. Il ne s'attendait pas à ce que je fasse ça, me connaissant et tout. Il ne pensait pas à ce que je sois décidé, parce que je ne l'avais dit à personne. Même mon épouse, quand je lui ai dit je le fais et tout, a été un petit peu rébarbative à ce que j'allais faire. J'ai dit non, c'est pour moi. Alors moi, face à ce projet, mais moi j'ai eu un soutien mais énorme. Franchement, ma fille, mon mari, mes sœurs, ma mère, qui pourtant, il faut manger pour tenir debout, qui ne comprend toujours pas les petites quantités que je mange. Il n'y a pas si longtemps que ça, il fallait que je m'habille. Et donc, j'avais acheté un grand pull, bien large, un pantalon, bien large. Et mes sœurs m'ont vu arriver et elles m'ont dit « Ah non, ça, c'est pas possible ». Donc, on est reparti dans les magasins. Et elles m'ont emmené dans d'autres magasins que je n'avais pas pour habitude d'aller. Parce que ça, c'est pareil, on va toujours au même endroit. Et du coup, voilà. On m'a mis des choses plus cintrées, elles m'ont dit voilà, maintenant tu vas venir avec nous, on a fini de te soutenir pour l'amaigrissement, on va te soutenir maintenant pour l'habillement. Voilà, c'est différent. Émerveillée, déjà par ma transformation psychique, par ma transformation physique, paraît-il que je suis éblouissante, alors que j'étais quelqu'un de très triste, je suis quelqu'un de très.
morose, très dépressive. Et les gens aujourd'hui sont rassurés aussi parce qu'ils avaient peur pour moi. En fait. Aux yeux des personnes, quand on est obèse, on a l'impression d'être plutôt une affiche, d'être voilà, mis sur le côté et tout, de pas trop exister pour les personnes. Et le fait de perdre beaucoup de poids et de le perdre bien, enfin, en mon sens, moi je l'ai bien perdu, bah, ça fait vraiment plaisir de voir que les gens nous encouragent et sont satisfaits pour nous, et puis nous complimentent. Alors ça faisait des années qu'on ne m'avait pas fait de compliments, donc prendre un compliment, ça fait vraiment plaisir. Ils m'ont dit, t'as maigri, mais c'est bon. Question de caractère, ils m'ont dit, non, là, t'es plus impulsif qu'avant. Mais ça dépend, c'est avec certaines personnes. Mais non, mais sans ça, c'est vrai que ce côté-là, oui, c'est un peu plus... Si vous voulez, avant, quand j'étais en embonpoint, je le prenais sur moi-même, je le prenais sur mon poids, vous voyez, c'était compensé par ça. Mais maintenant, je ne sais pas si c'est un effet psychologique, mais non, maintenant, ça ne passe plus. Moi, ma fille, elle a eu peur. Plus d'une fois, elle m'a demandé... elle avait peur... elle a employé le mot anorexie, parce que vu les toutes petites quantités que je mangeais, et donc, il a fallu que je la rassure. Il a fallu, parce qu'elle est scolarisée loin de chez nous, donc elle ne revient pas tout le temps, mais il a fallu que je lui fasse comprendre que moi, en fin de compte, j'avais choisi de manger plusieurs fois dans la journée, chose qu'elle ne voyait pas. Et c'est sûr que ça fait peur hein, quand vous êtes à table et puis que vous mangez une demi-tomate et que vous dites que vous êtes calé. Les gens, ils associent ça à de l'anorexie. Et c'est dommage parce que moi, on m'a associé à de la boulimie pendant des années et pour en arriver à ce qu'on m'associe à de l'anorexie. Donc j'ai dit, ah non, ça, c'est pas possible. D'où l'importance que je reste à table. Les gens qui vous connaissent, mais qui vous aperçoivent comme ça une fois tous les ans, ceux-là, la plupart du temps, ils se disent « Oh, ça y est, il est malade, il a attrapé une cochonnerie, machin », avant qu'ils puissent prendre des renseignements et se dire « Non, c'était une intervention voulue, et c'est une perte de poids voulue. » Avant quelque chose de contrarié, ou par vengeance, ou... plusieurs motifs psychologiques, on se vengeait sur la nourriture. Sauf que là, on ne peut plus se venger comme ça sur la nourriture. Donc, on a un caractère quand même plus sec. Avant, je ne sortais pas. Donc, c'était très difficile, c'était fatigant de sortir, c'était fatigant de marcher. Puis le regard des autres, c'était fatigant de me justifier. Tout était fatigant. Maintenant, il n'y a plus rien de fatigant. Donc, maintenant, bah, j'y vais, je parle, je vais vers les autres. Les difficultés relationnelles, bon, pour moi, ça a été particulièrement avec mon époux, qui n'a pas supporté justement ma perte de poids et mon changement. Et les gens, je pense que les gens autour aussi, puisque les gens lui disaient oui, tu vas voir, amaigri, votre vie va changer. Les mecs vont la regarder, tu vas te la faire piquer. Et je pense que c'est pas très bien. Enfin, je pense que les gens extérieurs peuvent faire plus de mal qu'ils pensent en disant des choses comme ça. Parce que si à l'intérieur du couple, l'autre n'est pas sûr, ça peut s'installer, je pense, dans sa tête. Et je pense, moi personnellement, je pense qu'avec le recul... je pense que mon mari a pris les devants, alors qu'il n'en était pas question du tout. Mais c'est souvent avec le recul, j'en ai discuté après hein, ici, on m'a quand même dit que malheureusement, la plupart des couples se séparaient souvent, mais c'était souvent celui qui avait maigri qui partait. Parce qu'il avait envie d'un renouveau, il avait envie de changer de vie, il avait envie de plein de choses. Quoi. Qu'il avait mis entre parenthèses pendant des années, parce qu'il n'était pas dans le cadre. Dans ma vie de tous les jours, je peux refaire mon ménage, je peux ressortir mon chien sans avoir peur de croiser un voisin, je peux remonter dans ma voiture sans être gênée par le volant, je peux ressortir faire mes courses sans transpirer. La perte de poids m'a fait énormément de bien. Je me suis retrouvée et
J'avais des peurs, j'avais des angoisses. J'évitais de m'asseoir, je faisais attention où je m'asseyais. Il fallait que je pose systématiquement ma main sur la chaise pour vérifier que la chaise était solide, que j'allais pas tomber. Je faisais attention dans la rue pour pas tomber. Je mettais pas de talons hauts, par exemple. Je marchais avec des chaussures plates pour être sûre que si je me casse quelque chose, il fallait pas que j'aie le poids en plus du plâtre. Des peurs, mais vraiment irraisonnées. Peur en voiture, peur de parler avec des gens, tout simplement. Ce que je fais aujourd'hui, je l'aurais jamais fait il y a un an. J'aurais jamais pu porter mon témoignage sur mon obésité il y a un an. C'était pas possible. Donc vraiment une retrouvaille de l'estime de soi. Oui, il y a de l'assurance, il y a de l'avenir, de la perspective qui se dessine, alors qu'avant, non. Non, je vous dis, j'ai plus la pêche qu'avant. C'est ça ce qui m'a amené plus, vous voyez. Parce que je ne peux plus rester. Si vous voulez, quand je suis à la maison, je ne peux plus rester 10 minutes assis. Il faut que je bouge. Et ça, c'est assez conséquent. Et ça, ma femme s'en aperçoit, elle me dit « Tu ne peux pas rester tranquille. » Je dis « Non, il faut que je remue. » Ça aide pour la société. Parce que maintenant, je me fonds dans la masse. Et c'est terrible de dire ça. Parce que, j'ai plus ce sentiment de culpabiliser, de qu'on me juge tout le temps. Quoi. C'est terrible de se sentir tout le temps jugé. Vous savez, il y a quelques années, je courais. Je faisais 130 kilos et je courais un petit peu. Et j'avais été au Téléthon avec ma nièce, qui elle fait 50 kilos, pour faire ce petit parcours. Et je suis arrivée et ma nièce donnait 2 euros au Téléthon pour faire son parcours. Et moi, le monsieur me regarde et il me dit, et il me demande pas. Et je lui dis, moi, je voudrais faire le parcours. Il me regarde et il me dit, avec un grand sourire, il me dit, il y a le petit truc là pour les enfants. Et ça, mais ça a été une vraie claque. Et je pense que c'est là, après, que je suis venue au service nutrition. C'est de là où est venue la blessure et tout, mais ça a été terrible. Le Téléthon, quoi. Voilà. Et du coup, ils m'ont blessée. Et du coup, j'ai fait le grand parcours. Et quand je suis revenue devant eux, je les ai regardés, j'ai dit, puis je vais faire le deuxième grand parcours. Donc, j'ai refait le deuxième grand parcours. Et après, je leur ai dit que c'était de l'intolérance, que c'était grave ce qu'ils avaient fait là. Et ça, c'est resté marqué. Donc, je pense que le changement de silhouette, m'aide à supporter ça, le regard des autres. Voilà, et puis quand t'es gros, y a des choses que tu fais pas, quoi. Ne serait-ce que, enfin, même au boulot, moi je vois dans mes interventions, les choses comme ça, ça me posait beaucoup plus de problèmes d'être devant l'assistance quand j'étais grosse qu'aujourd'hui, même si je sais que je suis encore en surpoids, ça va pas du tout me gêner. L'apparence est quand même, malheureusement aujourd'hui dans notre société, l'apparence est très importante. Parce que les gens pensent que si vous êtes gros et que vous restez gros, c'est parce que vous savez pas prendre de décision, vous savez pas vous remettre en question. Et vous dire je suis capable de perdre du poids. Alors que c'est pas ça du tout, malheureusement. On part pas tous égaux. Hein, dans la vie, et n'est pas gros celui qui a envie. Il y a plein de choses à côté qui font que vous êtes gros, mais vous ne l'avez pas choisi. Et c'est pas parce que vous êtes gros, vous ne mangez pas longueur de temps pour être gros, quoi. Enfin, contrairement à ce que les gens pensent. La perte de poids si rapide, j'imaginais pas quand même. Je savais que ça allait être rapide, mais aussi rapide, j'imaginais pas. Les cheveux. Si je vous dis que mes cheveux, ils frisent, ils sont naturels, alors que j'ai toujours eu les cheveux raides. Ouais, je vous assure que c'est vrai. Quand je me suis fait opérer, quelques temps après, je perdais beaucoup mes cheveux, donc j'ai eu les cheveux longs, raides. Et quelques temps après, j'étais au coiffeur et j'ai dit « coupez-moi les cheveux tout court, j'en peux plus. » Je les perdais trop, parce qu'on perd ses cheveux forcément, le manque d'alimentation et tout. Et quelques temps après, mes cheveux bouclés, ils bouclent toujours d'ailleurs. Et tout le monde me dit « t'as fait une permanente ?» Je dis « non ». J'ai fait, c'est un des changements auxquels je ne m'attendais pas pour l'amaigrissement, d'avoir des beaux cheveux qui bouclent. Alors je pense que le fait de manger équilibré, le fait de manger des choses qui apportent tous les jours des bonnes choses, parce que j'essaie toujours d'inclure un fruit, toujours à l'esprit tout ça, je pense que ça fait sur plein de choses, quoi. Donc ouais, moi c'est les cheveux. Dès qu'on a l'autorisation du chirurgien et des médecins en disant voilà, vous pouvez refaire du sport, il faut en faire. Bon, après, on choisit ce qu'on a envie de faire. Allez me demander d'aller dans une salle de sport, ça, c'est même pas la peine d'y penser. Je ne suis pas prête à ça.
D'abord parce que ça coûte cher, et ensuite parce qu'il y a plein de monde autour. Et ça, je ne suis pas encore prête. Mais chez moi, je m'oblige. C'est vraiment important pour soi-même, mais pour le corps aussi. Parce que du coup, il muscle. Alors du coup, on prend quelques grammes de plus, hein, on prend un petit peu de kilos avec, avec les muscles. Mais du coup, c'est du bon muscle, c'est du bon poids qu'on prend. Et non, ça fait vraiment du bien. Ça fait du bien parce qu'on peut s'extérioriser. Et plus on en fait, plus on peut en faire. Et moi, je trouve ça super. Dimanche, j'ai fait 5 km de marche et j'ai pu suivre mon mari. Et ça, j'aurais jamais pu le faire il y a quelques temps, quoi. Et donc, chouette. Bah, déjà, de refaire de la marche, de tout ça, l'entretien physique, ça vous permet de gérer votre poids et puis de mûrir. Parce que vous dites que là, j'ai arrêté, j'ai repris 4 kilos. Donc l'activité physique, c'est très important quand même. Je faisais 120 kilos et j'ai réussi à courir donc 3 km. Et après, aller nager 3 km. Et cette sensation-là, c'était une sensation, à un moment, vous ne sentez plus votre corps. Et maintenant, je comprends pourquoi les gens courent, je comprends pourquoi les gens font du vélo. C'est qu'à un moment, on n'a plus mal nulle part. On se sent léger. On se sent bien. Et ça, mais il a fallu du temps avant que je le découvre. Et maintenant, je sais que, par exemple, maintenant, quand je marche, je sais qu'il faut que j'aille beaucoup plus loin pour ressentir ça. Donc c'est là que je vois. Mais c'est une sensation si bien et de comprendre pourquoi. Et je souhaite à tous les gens un jour de pouvoir sentir ça, sentir ces douleurs dans les jambes. Puis tout d'un coup, on n'a plus mal nulle part. On se sent mais léger, léger. Après l'intervention, j'ai eu énormément mal aux articulations. Heureusement que je savais ce qui allait se passer puisqu'on m'avait expliqué. Le coach m'avait dit, il me fait, tu verras, le manque d'alimentation, tes muscles vont trinquer, vont s'atrophier un petit peu, quoi, voilà. En plus, les manques d'activité, il me dit ça va être dur de reprendre un sport aussi intense. Mais heureusement qu'il m'avait expliqué tout ça, parce que je ne sais pas si j'aurais supporté, justement, ces douleurs, les articulations, les douleurs, c'était horrible. Mais le sport, heureusement qu'il est là hein, pour faire tenir toute cette masse, quoi, et pour connaître son corps. Encore une fois, on maigrit très vite et pour quelqu'un qui certaines personnes vont peut-être pas se reconnaître en se regardant dans la glace. Et ça, avec une aide psychologique, je pense que ça peut aider. Il y a des gens qui se reconnaissent pas. Je pense qu'il y a des personnes qui sont choquées par leur amaigrissement. Hein. Et comme je disais tout à l'heure, les problèmes d'alimentation et d'obésité morbide sont pour la plupart aussi un problème psychologique derrière. Le fait d'avoir un psychologue ou un psychiatre, peu importe ça, hein, qui nous suit au moins au départ, et puis après, si la personne en a besoin, continuer, c'est important aussi. Si on est tous obèses à cause du côté psychologique, des compulsions de faim, de ces choses-là, oui, il faut un suivi psychologique. Ça, c'est clair et net. Il faut aller déjà avant et on n'est pas opéré du cerveau, comme plein vous diront. Et non, il faut un suivi psychologique, ça, c'est clair et net. Pour le physique, et comme il y aura forcément un changement dans la tête, il faut un suivi psychologique. Il y a même... Oula, oui, le soutien psychologique, oui, il le faut. Je me voyais toujours aussi grosse. Et donc, le psy m'a beaucoup aidée là-dessus, à me faire comprendre, à me donner les astuces aussi. Par exemple, mettre un chemisier trop petit pour que les petits capteurs envoient au cerveau. Voilà, je suis plus obèse. Tiens, là, c'est un 44, mais vous avez vu, ça me sert. Alors qu'avant, je mettais un 60 et ça ne me serrait pas. Toutes ces petites astuces, c'est le psy qui vous les donne. Tous ces petits tiroirs qui s'ouvrent, qui vous permettent de comprendre. Le soutien psychologique, c'est super important quand vous perdez du poids parce que votre image change tellement. Que déjà vous avez du mal à vous y retrouver, de comprendre que vous changez d'apparence, parce que vous avez été gros tellement longtemps que c'est ancré dans votre tête. Il y a un suivi qui est obligatoire, je pense qu'il faut, il faut bien le suivre, hein, le psychologue, les radios, les examens, et c'est vrai que ça paraît long, parce que les rendez-vous sont pas toujours du jour au lendemain, c'est tout.
Mais ça fait partie aussi de la préparation psychologique avant l'intervention. Je pense qu'il faut avoir un suivi médical avant l'opération comme après l'opération, parce que c'est quand même un acte chirurgical, c'est quand même très important. On ne fait pas ça à la va-vite, hein. C'est pas un truc, on ne va pas se faire arracher une dent, hein. Quoiqu'il peut y avoir du danger aussi pour se faire arracher une dent, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut appréhender avec des professionnels qui connaissent leur domaine. Moi je pense qu'il faut que le sport soit inclus même avant l'intervention de la CIV. Je pense que c'est hyper important pour après pouvoir mieux supporter tous les changements que ça apporte. Vous avez besoin de ce laps de temps pour vous habituer à l'idée. Parce que c'est pas anodin, une intervention comme ça. Enfin, et même si on vous a prévenu qu'il y aura plein de changements, dans la première phase, moi, quand j'ai décidé de me faire opérer, j'ai eu l'impression qu'il fallait le faire tout de suite maintenant. Et avec le temps, je me suis aperçue que tout compte fait, on nous régule, parce qu'il y a ce protocole avant, de 6 mois, et c'est super important. Parce que voilà, vous posez toutes les questions qui vous passent par la tête, vous vous habituez à l'idée. C'est très bien, parce que ça rassure. Ça rassure, ou bien s'il y a un souci, un petit manque de quelque chose, avec les prises de sang, avec les examens, ils vont pouvoir vous le dire. Si vous ne vous faites pas suivre derrière, vous allez finir en carence, vous n'allez plus avoir de cheveux, vous allez plus, vos ongles vont être perdus, et vous n'allez plus tenir debout. Et alors ça risque d'être l'hospitalisation, alors ce n'est pas la peine. Je pense qu'il faut, dès le départ, faire une sorte de pacte avec soi-même et avec les médecins autour de nous. Ils nous donnent leur confiance, on leur donne la nôtre. Vous voyez, c'est des deux côtés. Ils sont là pour répondre à nos doutes, à nos craintes. Et heureusement, parce qu'il y en a toujours. Moi, je vous dis, hein, 2 ans après, j'ai toujours peur de vomir. 2 ans après, toujours peur de grossir. Donc, heureusement qu'ils sont là pour nous rassurer. Et heureusement aussi, il y a toujours cette fameuse prise de sang qui nous font pour voir si on a des manques, des carences. Et moi, c'est ma carotte, en fin de compte, je pense, pour continuer ce que je fais. Parce que je me dis, bah, tant qu'il n'y a pas de carence, je me dis que c'est bien. Et avant, on n'avait pas des repas normaux. Enfin, quand je veux dire normaux, on n'avait pas des repas complets. On était capable de manger, pas manger, manger n'importe quoi. Qu'aujourd'hui, on nous apprend à avoir des repas équilibrés, de ne pas avoir de sauts de repas, Et tout ça, c'est vrai que cette équipe qui est derrière nous nous apporte ce réconfort. Enfin, quand on n'est pas trop sûr de nous, on sait qu'on peut venir les voir, on sait qu'on a un rendez-vous à un moment donné. Et pour moi, c'est très très rassurant. Quand on rechute, quoi, c'est un peu comme quand on se décide de faire un régime et puis que on tient le coup, on tient le coup, on tient le coup, puis au bout d'un moment, comme quelqu'un qui arrête de fumer, et puis un jour, eh ben, il a un couac dans sa vie, une souffrance, quelque chose de dur qui lui arrive, et eh ben, il reprend une cigarette, et une autre, et une autre, et une autre. Et ben, la nourriture, c'est pareil, hein, des régimes et des rechutes. Alors, certaines personnes peuvent reprendre du poids après, parce que justement, n'ont pas bien été suivies avant, ne savent pas les dangers d'une telle opération, parce qu'on est... Moi, personnellement, je suis obèse et je resterai obèse toute ma vie. Si aujourd'hui, je décide de manger n'importe quoi et n'importe quand, si je veux manger un pot de Nutella toute la journée, au bout d'un moment, je redeviendrai obèse. Si ça, c'est pas bien ancré dans ma tête, je peux perdre pied et puis le faire. Il faut vraiment qu'il y ait eu un bon travail avant par les nutritionnistes pour nous apprendre à bien manger aussi. Et prendre plaisir, et puis s'apercevoir qu'une fois qu'on est bien, il faut rester comme ça. Ben, je pense que comme l'estomac, c'est un muscle, si la personne se force à manger tout le temps, ben, l'estomac il reprend l'habitude en fin de compte. Il y a sûrement d'autres choses, mais moi, dans tous ceux avec qui je discute, ils ne font pas de sport, ça c'est sûr. Moi, ceux autour de moi qui ont repris du poids, même avec des bypass, il y en a certaines qui ont repris du poids, elles ne font pas de sport. Et la plupart, moi, ceux que j'ai vus qui avaient repris du poids, la plupart n'avaient pas de suivi derrière. Et je pense que c'est quand vous êtes
livrer à vous-même, que votre corps change, que vous dites je mange ça, je mange pas ça, je maigris, enfin, que vous n'avez pas de repères, moi je pense qu'on peut vite retomber dans la boulimie, dans pas s'y retrouver. Paraît-il que pour le diabète, il y a des gens qui peuvent se retrouver à arrêter un traitement médicamenteux contre le diabète. Et puis les rhumatismes, les douleurs, bien sûr, ça, c'est sûr que ça va beaucoup mieux. Bon, ce qui a été abîmé est toujours abîmé, hein, mais on a moins mal partout. J'étais appareillée pour des apnées du sommeil pendant plus d'une dizaine d'années. Et là, depuis ma perte de poids, je suis désappareillée depuis janvier. Donc, bah, j'en suis ravie, hein. J'ai plus ce masque pour dormir tous les soirs. J'ai moins de problèmes de tension également. Bah, le dos, déjà, parce que bah, souvent c'est à cause du poids. Après, ça dépend à quel stade il a été endommagé. La respiration, le diabète, le cholestérol. Et le médicament pour le cholestérol, c'est supprimé. Et le diabète, maintenant, c'est caché de moitié. Oui. Je prenais des Vénotonil tout le temps, quoi, parce que j'avais des problèmes d'œdème dans les jambes. J'avais... Là, plus rien. Donc, moi, tout s'est amélioré avec l'opération, grâce à l'opération. Ouais. Se laisser guider par les médecins qui sont là. Tout simplement, parce qu'ils vous prennent en charge, ils vous donnent vos rendez-vous, et vous vous laissez guider. S'informer tant du positif que du négatif, et puis essayer de rencontrer des gens qui ont été opérés dans les mêmes circonstances et aussi dans les mêmes endroits, parce que entre une clinique et un hôpital, CHU, c'est pas du tout les mêmes façons d'opérer, les façons de faire. Et puis prendre le pour et le contre, et puis aussi commencer à apprendre à s'occuper de soi. Il faut vraiment s'informer par des spécialistes de l'obésité. Essayer de rencontrer des gens qui l'ont fait. C'est d'apprendre aussi à manger lentement, boire lentement, ouais, ça avant, ouais, plusieurs mois avant, ouais, et surtout d'avoir une activité, quoi, d'intégrer un groupe ou de marche, juste de la marche, même si c'est que deux fois par semaine, à leur rythme, ça sert à rien d'aller vite, hein, ça sert à rien de, on ne se prépare pas pour un marathon ou pour les JO. Hein. Mais de s'habituer tout de suite à marcher. De poser toutes les questions justement à l'équipe médicale qui va vous suivre. De ne pas forcément aller chercher les infos sur Internet ou sur les personnes autour de vous. Parce que chacun a toujours des avis très, très différents qui peuvent vous perturber. À toutes les personnes qui souffrent d'obésité morbide et qui en souffrent physiquement et psychologiquement, je le conseille à toutes les personnes. Je le conseille à tout le monde. De tout mon cœur, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Et ça m'a sauvé la vie, dans tous les sens du terme. Je conseillerais cette opération à toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin, dans la mesure où c'est un vrai mal qu'ils vivent. C'est vraiment une opération importante, mais une opération aussi nécessaire. Et quand il n'y a pas d'autre possibilité que cette opération-là pour perdre du poids. Le médical, ça m'a apporté une bouffée d'air que je n'aurais pas eue si je n'avais pas fait cette intervention. Si c'était à refaire, je le referais. Ah bah, si c'était à refaire pour moi, je le referais. Aujourd'hui, je ne peux pas encore vous dire, je pense que je vous dirais oui, mais en tout cas, je ne regrette pas. Voilà. Si c'était à refaire, je le referais. Si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Si c'était à refaire, je le referais.